Salut à tous, c'est Sigogne. On se retrouve pour la suite de State of Decay 2. Et dans le dernier épisode, on était chez les garagistes. Et dans celui-là, on va aller sauver ceux que je vous avais dit, les survivants de l'âme, renforts amicaux. Donc, il faut un truc à réparer le véhicule, une boîte à outils. Alors, boîte à outils, voilà, j'en prends une. De l'essence. On en a plus, il faut ouvrir un sac peut-être. C'est pas ici que ça se trouve. Bon, on va tout simplement en ouvrir un. Normalement, il y a de l'essence. Hein. J'espère. Alors. Voilà, charger un bidon d'essence. Voilà. Ok, on va voir ça. Ok. C'est bon, c'est bon, c'est nickel, ouais. Alors. Le bidon, on va l'envoyer. On n'a pas besoin pour l'aller-retour. Normalement, si on ne fait pas de détour, on ne tombe pas en rade. Not possible. Ah ouais, ça c'est pas bon. Pardon? Non, me dites pas que je vais aussi envoyer par réflexe. C'est ça que je vais envoyer là-bas. Excusez-moi. Cette perte de temps. Allez, c'est parti. Juste emmener. Il lui faut quoi comme calibre 9 mm. Voilà. On recharge moi ça. Allez. On regarde vite la map une dernière fois. Tout droit. Ce sera la première. Gauche. Droite. Gauche. Gauche, droite, gauche. C'est parti. Barrel incoming. Flee now or forever hold your peace. Voilà. Donc, première gauche, droite, gauche. Okay. Moi ça va, l'orientation je me démerde bien. C'est même en... Le GPS j'utilise vraiment sur une certaine distance là. Mais si c'est... Je parle dans la vraie vie. Hein. On va dire... Si le chemin fait une centaine de kilomètres, je vais retenir de tête. Par contre au-dessus... Là, je vais utiliser un GPS. Mais je me ferai toujours le chemin dans ma tête avant de partir. Là. Donc c'est là. Là, c'était à gauche. Prochain grand croisement, c'est à droite. Et je fonctionne comme ça. Pareil. Regardez toujours sur Google Maps la photo de là où vous devez arriver en fait. On dit ah la destination c'est ici, la photo d'arrivée c'est ici. Ok. Ça quand vous arrivez sur les lieux ça va vous sauter au visage. Ah là je suis à la là je suis bon. Là, on est bientôt. C'est vrai qu'il faudrait aussi penser à trouver à manger. Alors. Je sais qu'on n'est pas super proche, mais j'aurais besoin de renfort pendant que je fouille l'aire de repos de Taldo Park. Ouais, ok, pourquoi pas. Nice.
fun a thing. Là, je prends tout ce qu'ils ont dans leur truc. C'est comme ça. Tu me demandes de l'aide, y a pas de souci. Par contre, je veux les trucs qu'il y a dans ta base. En extérieur, ça c'est sympa. Ok. On va déposer ça. En plus, ça fait 20 livres, c'est super lourd. Voilà, voilà, je l'ai. Allez, c'est parti. Oh, c'est pas loin. Tu sais que tu m'as contacté, tu m'as fait venir de l'autre bout de la carte. Fait attaquer là-bas. Ah, lui, il a pris une sale balle dans la nuque. Hein. J'aurais pas aimé. Quoi. Ouais, il y en a qui sont un peu plus costauds à descendre. Hein. Comment t'as tout fouillé? Ok. Et on fait juste, il n'y a pas quelque chose à prendre déjà son truc. Ça doit être de l'autre côté qu'il est. Ah, je les couche l'un au-dessus de l'autre. Voilà. Alors, ah, non. Si, si, là, il y avait. Ok, c'est bon. Ah, je crois qu'il y a une porte aussi derrière. Whatever you say. Ah, ça c'est une cage d'armes. Ah, juste fabrication. Pas de chance, mais c'est pas grave, on va le ramener à sa base. Ça c'était une mission rapide. Allez, c'est parti. Ça c'était pour le style, le petit drift là. There you go. We're good. Thanks. It's no big deal. Goodbye. Run or fight. Run or fight. Elle a fait le ménage. Ah, petite. Voilà, c'est toujours moins à prendre. C'est où ça? Des écumeurs de table à cœur ouvert. Parlez à Ashanti de l'aider à détruire un cœur de peste. Ah, je suis pas stuffé de ouf, hein. Ah, ça. Ah là 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 là. On va voir ce que ça donne. Je veux juste voir si on peut échanger. Ah voilà. On peut juste échanger avec vous. Let's make a deal here. Terrific. Installer cette modif dans une cuisine pour générer un long bonus de morale au prix d'un peu de nourriture. 350. On prend. That's a lot of stuff. Par contre, on n'a pas de. Pas de grenades ou truc comme ça quoi. Ok. Ça va être un peu compliqué. Il y a le mystérieux, ça c'est où ça? Hang tight, on my way. Uh-oh.
On va plutôt faire le signal mystérieux. Sur notre... Ils veulent détruire un cœur de pêche, je suis pas du tout équipé pour là. Je vais pas emmener ça sur moi. Donc, du coup, ce qu'on peut faire, c'est ouais, aller voir ce que veut ce signal. Oh là là, mais tous les zombies, ce truc de fou. C'est la poule. Jack Sully, c'est la poule. Ok. Ok, je vois une dame. C'est moi que tu tires ou pas? Mon ami est allé voir un marchand, mais il n'est pas revenu. Tu pourrais partir à sa recherche. Ouais, mais tu viens avec nous. Hein. Merci de nous avoir aidés à retrouver. Là-bas. Ok. Donc, sur la grande route, ce sera à droite. Ok. Ça, c'est dangereux, par contre. Hein. Là, vous restez coincé, vous êtes loin de la base et tout. Oh putain. L'air feels warm and sticky. So gross. Là, quand on rentre, faut la réparer la voiture. Ben oui, il y a quelqu'un. Okay, we're not yet zombie free. I need to rest. Zombies out here. We might be in for a siege. Hey, you got a minute? Revue automobile. J'entends des zombies qui approchent. Si tu lis cette bouteille de bloc odeur, on pourra passer discrètement à côté d'eux. I feel like a pack mule. Ah, je l'ai récupéré sa bouteille. Nothing to find here. I just heard something. Lot of zombies out here. We might be in for a siege. Ok. Yo, zombie hanging on. Cette mission, elle était violente. Là, on s'approche tranquillement d'une bonne moitié du jeu. Encore lapin.
Ah, vers la fin, ça va être plus marrant. Home, sweet home. Now stay safe. Thank you so, so much. Alors, merci de m'avoir sorti de là. Je vais trouver d'autres bouteilles de bloc-odeur et une station de nettoyage si ça t'intéresse. Je veux bien plus de bouteilles de bloc-odeur. Trois bouteilles. Je veux bien la station de nettoyage. Je veux bien la station de nettoyage. Ça, c'est essence. Ah non, elle est couverte. Ok. Donc, attendez. Hop. Ça, on veut bien prendre. Ah, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je voulais pas l'utiliser, je m'en rappelais. Attention, après consommation, l'utilisateur contracte une infection modérée par la peste. Attention, ça c'est super lourd. Voilà, on va ramener ça à la base. On va réparer les véhicules. Mettre de l'essence aussi, ouais. Voilà. On a eu chaud, hein. On a eu chaud. Et donc, ok, on va aller là. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, voilà. Droit et la deuxième à droite. Ah ouais, là elle fait un drôle de bruit la voiture. Putain, vous avez vu? Toi. Demi-tour et à l'infection, on prend en droite, on traverse comme ça. Voilà, il y avait un, c'est plus le nom là, les gros qui explosent. Il y en avait un, on le tapait celui-là, la voiture était foutue, on était tous les deux morts. Et du coup les deux là, on va les mettre au repos. Ça nous ont fait pas mal de missions. Ouais, c'était badass les deux nanas là. Là encore un sauvage. Un bidon pour la prochaine fois. Alors ouais. Non, c'est pas ici, celle là un bidon d'essence, de quoi réparer. Allez, on va réparer ça. Oh. Voilà, parce que là il a pris cher. Des impacts sur la vitre. Et... voilà. Et
pas entièrement nettoyé. Mais on va mettre ça dans le coffre au cas où. Ce sera pour le prochain épisode. On est aux alentours des 20 minutes. Et donc, les deux mesdames vont aller se coucher. Things really are going our way, aren't they? Ah, elle est contente, hein, ils sont tous en forme. J'adore, il délire bien. Ok. Voilà. On va prendre Charlandra. Allez. C'est celle qui dormait. Elle vient de se lever. En forme ultime. Voilà. Non, elle me suit. Non. Voilà, tu peux rester à la maison. Alors, j'ai aussi vu centre de commandement. On a déjà ça en fait. Et la cuisine. On a le four à convection. Ou alors installer un batteur sur socle. Action accélérée, plus 50% accélérer les actions de cuisine. Ça, nourriture et carburant pour bonus de morale. Ajoute la capacité à utiliser de la nourriture et du carburant pour générer un bonus de morale. Voilà. Nickel. Et là, on a une station de nettoyage. Ok, nickel. Et on va emmener lui là-bas. Salut Matos, tu viens avec nous pour une petite mission. Ok. Donc AK, ok. Allez, ça te fait de ouf. Du coup, la suite, ce sera au prochain épisode. Donc n'hésite pas. Si t'as aimé l'épisode, un petit like, tu t'abonnes, ça fait toujours plaisir pour le soutien, tout ça. Et sur ce, moi je te dis à plus au prochain épisode. Allez, tchou.